On est où là? Il y en a qui peuvent venir ici si vous voulez. Allez! Et dès qu'il s'agit de se rapprocher, celui-là. Pourquoi on le fait plus tôt? Et pourquoi Lucas et moi on a le même pull? Ah, ça c'est deux questions importantes. Il y a une des deux qui m'intéresse pas du tout. Alors ce pull. Mais je suis fan de Pierre Croizon en fait. Je sais pas l'assumer. Pourquoi on a commencé si tôt? Parce qu'il fait nuit de plus en plus tôt. On a changé d'heure en fait, c'est ça en fait. Et on gagne une heure de sommeil. C'est hilarant. On a le cornhole qu'on a déjà fait. Non. C'est la quatrième journée de notre Olympiade. Quel est le classement actuel? Camille 3 points. Si tu finis première et que Ben finit dernier sur cette épreuve, tu égalises avec lui. Parce qu'il est à 8 points. Toi t'as 3 points. Ensuite c'est Lucas et Pierre 12 points. Guillaume 13 points et Fred 15 points. Ah ouais. Autrement dit, personne n'est à l'abri ce soir. Comment ça va se passer? On va faire tous les matchs possibles comme au ping-pong sur la première journée. Les règles, c'est très simple. Chaque joueur prend ses 4 sacs, il lance ses 4 sacs. Si le sac arrive sur la planche, il vaut 1 point. S'il passe dans le trou, ça vaut 3 points. Pour qu'il y ait quand même une possibilité de remonter, ce sera par match de lancer de 4 sacs. Donc 2 fois 4, 8. On commence tout de suite comme ça, on perd pas de temps avec le soleil qui peut s'enlever à tout moment. S'enlever, il se couche pas en fait, il s'enlève. Je propose le premier match, celui qu'on attend tous, celui que tout le monde demande sur internet, Guigui et Lucas. Oh le Guigui Lucas! Lucas est plutôt chaud sur ce jeu. C'est pas pour me lui mettre la pression psychologique, mais très très fort Lucas. Vas-y, date ça. Ça c'est zéro ça Pierre, on est d'accord? Ça c'est bien zéro. Oh là là, zéro. Ils ont du mal à se calibrer encore. Ah oh, ça c'est beau. Deux techniques différentes hein. Et deux efficacités différentes hein. Si tu le rentres là, t'es bien. Oh là 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 là, mais il est trop chaud, mais il est très très chaud. Oh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends là, je fais 7-3 là. Bon, et l'inventeur du cornhole, je te kiffe. J'essaie de ta technique là. Et là, Lucas va commencer à s'effondrer. Oh, il s'effondre. Et là, il met tous les trucs avec 7-7 égalité 7, pour l'instant, psychologiquement, c'est dur. 8-7. Oh, le gaucher en action. 8-8. Et... Oh, non. Non. C'est trop intense pour moi. Ah, là, je suis vraiment dévasté. Non. Non. Faut que tu mettes ta tailleur. T'aurais pu sortir celui de Lucas. Non. Victoire de Guigui. Coup dur pour Lulu. C'est pas grave, Lucas, tu vas te refaire. Ben Fred. C'est mon premier tir de toute ma vie au cornhole. Non, Ben, regarde, je te montre. Non, Fred, il faut la laisser sur la planche. C'est vrai, bien vu. Parce que moi, j'ai pris un point par exemple. Bien vu. Pas mal. Elle glisse, hein. Il la remet. Tu peux lui sortir, hein. Non. Alors, c'est ce qu'elle glisse toute. C'est ce qu'on appelle la pétanque, le petit doigt de Fanny. Personne dit ça. 3-1, mais c'est pas fini. It's never done until it's done. Il veut pas. Il peut être remis. Remis sans famille. Ça marche. Ah ouais, c'est bien 200 grammes. Ouais. Oh, c'est bien lancé ça. Oh, Ben, tu peux en rentrer deux d'un coup, là. C'est ce qu'elle glisse toute. Oh my god, man. 5-6. Donc si tu mets 1, t'égalises. Si tu mets 3, tu passes devant. Oh, ça va être cheat man, delete man. Laissez-moi de la place pour enlever parce que je sens que je vais m'enflammer. Égalité. Sac subi. Sac en or, là. Si tu le mets, c'est stressant. Ce qui peut être stressant, c'est quand t'as l'inconnu que demande de monter dans une camionnette, d'accord? Ça, c'est stressant. Ça sent le vécu, ça, hein. Attention, parce que si Fred met 3, c'est sac subi, hein. Oh là 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 là. Oh mon Ben Jones. Oh mon Ben Jones. Oh, il y a une vraie presse. Allez, on n'oublie pas le soleil, hein. Un sein, du coup, là. Je perds le sac, hein. Oh, il le fait. Miniature. Oh là là. C'est mes moments préférés. Je les adore parce que je les adore. C'est un bon argument. Oh, Benjamin. Oh là 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 là, c'est beau. Il est très fort. Il est très très fort. Tu sais, ça me rappelle Cristiano Ronaldo. L'Atletico, il gagne 2-0. Il se compare à qui là? Camille Pierre. Allez. Attention, Camille est reparti là. Prends la technique de Lucas de le lancer comme ça. Allez. Ça avait l'air pas mal. Oh, elle commence par une provocation. 2-2. Oh là. Oh. 4-4. Oh, ce qui peut être un peu énervant, c'est l'adversaire qui fait cette petite moue de « Ah, désolé, je l'ai mis ». Ils analysent tout, les commentateurs, c'est si. Beaucoup trop fort. Tiens, c'est trop là. 5-1, plus 4. Guigui Ben, c'est parti. Tu veux le rouge ou le noir? Pas confondre avec un super roman de Stendhal. Je commence, tu commences comme tu veux. Allez, je vais me permettre. Et non pas je vais me permettre. Non, calme-toi, c'était juste un jeu de mots. Ben sort d'un match où il s'est sans doute épuisé. C'est un match très compliqué physiquement. Du cornhole, on balance des trucs de maïs sur du bois. Oh là là! Là, j'ai bloqué là! Il s'en sort. 4-3, c'est bien! Aïe aïe aïe, c'est dur là pour moi! On prend les mêmes. Et on recommence. Et, on a la même chose. Et le 4-4 là qui vient égaliser là! Oh là là là! 7-6. Et là, s'il le met, c'est fini. Il peut égaliser ou s'il le met! Je suis prêt à me lever. Je suis prêt à tout casser moi. 7-7. Deuxième mort subite pour Benjamin. Benjamin, tu peux pas perdre deux fois de mort subite quand même pour le mac and cheese de ce soir. Il peut te cheddar en plus pour Verica. Oh! Ouadididou! Oh non! Bravo! C'est 3-0 pour moi. Merci Guillaume, très bel adversaire. Vraiment physiquement beau. J'aime bien les regards, j'aime bien les yeux. Beaucoup les lèvres. Fred Camille pour le prochain match. Allez! Ça non! Non mais c'est une technique! Oh! J'ai pas d'autres arguments. Tu lances n'importe quoi. Plus 1 pour Fred. Merci Guillaume.
Là, il y a zéro effort, là. On peut l'annuler, celui-là. Est-ce que si tu perds pendant un mariage, c'est une sale défaite? Ouais. Si. Ouais, très bien, celle-là. Ouais, c'est pas. Si tu le mets, tu peux égaliser. C'était dans le trou, là, ou je me rends pas compte? C'est quoi, je le mets tranquille. Non. Fin de match. Ça va être gardé au montage. Pierre, je t'en prie, je commence. Pourquoi ce soit toi qui commence? Vas-y, commence. Non, vas-y, commence. Vas-y, commence. Fais gaffe quand même. Ah, c'est presque, c'est de l'anti-jeu. On l'a vu, la menace, ouais. Tiens, voilà. T'as vu serrer le poing, Lucas? Oh oui! Oh 5-2! Lucas, elle est costaud, hein. J'ai eu la chance. On dirait un grand-père qui joue avec son petit-fils. Non, mais c'est dur d'avoir deux générations différentes. Ça peut être un père avec son fils, mais un grand-père. Non, Lucas! Ah, non, c'est fini. 8-4. Je m'en fous d'avoir gagné, je m'en fous. Bien joué, Pierre. Oui, bien joué. Attends, c'est un super moment, non? Ouais. Je t'en prie, commence. Allez, merci, Camille. C'est hyper violent. Je te félicite, c'était un très beau lancer. C'est toi que je félicite, je te demande de faire la même, s'il te plaît. Kamtar plus 3. Je comprends rien, ce lancer. En fait, les lancers n'ont rien à voir les uns avec les autres. Bah ouais, voilà, n'importe quoi. Oh! On dirait de la chance, en fait. C'est fou. D'un lancer à l'autre, y'a pas de cohérence. Est-ce que quand elle le met, c'est de la chance ou quand... Oh! C'est de partout. Oh, t'as pas de base. T'as pas de base. Et là, elle le met, là, c'est dur. Oh, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs dames? Elle a mis plus de points là que l'entière Olympiade. Hein. Pierre Fred. Oh là là, Pierre Fred. Oh, le pull de Pierre, comme il est trop moche, en vrai. Oh, l'erreur. Ça, c'est vrai. Il est très bien celui-là, Pierre. Pense à moi! Pardon, Francis Lalanne. Moi, je suis régulier. C'est pas possible. On a un Pierre qui est presque silencieux de défaite, quoi. Tout est encore possible puisqu'il reste 4 lancers. Je me permets de te dire, il n'y a pas d'enjeu sur une Olympiade de cornhole. Hein. Oh, c'est presque cadeau, là. Suffit de faire taper la planche un peu. Oh oui! Les deux! T'as juste à la mettre sur la planche. Ouais? Bah oui, il y avait 4-4. Bon, Pierre! Arrête! Attention, Pierre! Pourquoi vous m'adressez la parole? Laissez-moi tranquille! Allez, attention, bord subit là! Il a eu le mieux direct. Oh, c'est dur! Aïe! La tension est à son comble! Il le sécurise! C'était même pas sûr! Guigui Camille! Attention, Camille, elle est redoutable, hein! Elle est surprenante! Ravissant! Oh, j'ai une pression contre Camille, je sais pas, on sent que c'est. Camille, c'est une masterclass! Trop peur, tous ces lancers me font peur. Camille, applique-toi un peu. Ah non, quoique. Elle est quand même devant, hein. 6-4, mais je sais qu'elle peut revenir à tout moment. Non, c'est là où je suis baisé. Ah, tranquillement, oh là là. Prochain match, c'est Ben et Lucas. Let's go, Lucas. Ah, allez, je te laisse tirer en premier, évidemment. Allez. Plaisir, c'est toi le meilleur adversaire. C'est toi le meilleur. Tu plaisantes, c'est toi le meilleur. Mais non, c'est toi. C'est toi, arrête. Arrête-toi, c'est toi le meilleur. Attends, viens, je vais taper. Mais c'est toi le meilleur adversaire. Mais tu sais quoi, ben, c'est toi, j'en ai rien à foutre. Pas te faire meilleuriser, quoi. Oh, il fait taire tous ses détracteurs. Lucas, un peu moins. C'est bon, ça y est. Non, Ben, t'as pas le droit à ça, Ben. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh oui, c'est bon. 5-4, très intéressant. La deuxième manche va être très intéressante. Restez connectés. Ben, j'ai Lucas. Il égalise Lucas Studio. Et Ben Joss qui répond. Ben, là, il est en pétanque. Oh oui. Oh, le rire. C'est un cri de soulagement. 8-7 pour Lucas. J'étais obligé de le tenter. 17. Il reste quelques matchs, il reste un. Pas de Guigui notamment. Ça va être sérieux, là. Oh, il enlève la veste. Il fait tomber la veste, comme on dit dans le jargon. Là, je sens qu'il y en a qui vont jouer leur vie, là. Fred. Non, Guillaume. C'est Elise Moon, la Fred. Allez, c'est parti. Oh non, ça c'est de la chatte, ça. Non, c'est pas de la chatte, Guillaume. Mais c'est pas tel. Je fais ce perso jusqu'à la fin des Olympiades. Et sachant qu'il est mal fait, hein. Il a jamais parlé comme ça. Je suis loin, hein. C'est vrai que j'aime bien ce monsieur Patel, en vrai. Toutes vos gueules sont vraiment énervantes, hein. 8-2. C'est une belle fessée. Mais c'est la première manche, là. Faut-il une deuxième, hein? C'est pas fini, Guillaume, hein. Tu sais, je peux marquer 12 points, là. Attends. T'oublies le mental de Guillaume. Là, c'est fini, Guillaume, alors arrête-toi là. Il y va de son jeté. Tête de ma mère, lui, je le mets direct. C'est plus Monsieur Patel, là. Non. Et non ! Il a pas envie ! Ouais, mais j'y crois plus, là. Bah, mathématiquement, en plus, hein. C'est même plus une question de mental. Oh là là. Attends. Non, Guillaume, elle est finie. C'est tombé. Elle est partie, hein. Allez, pour l'honneur, quand même, on va essayer. Même pas, hein. Il reste plus rien, là, Guillaume. Bah, même l'honneur. Oh, je suis triste pour toi, Guillaume. Pour Monsieur Patel. Plus 6 pour Fred. Duel de la nouvelle génération, Lucas, Camille. Aïe, 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 attendu ce duel. J'embrasse tout le monde. Elle peut mettre 26-0. Oh là là, il sécurise. Camille, je comprends pas tes lancers. Comprends pas non plus. 3-2. Je vais tenter comme ça. Bah non, c'est la pétanque, ça, non? J'ai rien dit. Me suis déboîté l'épaule, mais pas dégueu. Oh, ça rentre! Il y a combien de score, vous comptez? Ouais. Oh, shit! Arrête, la casquette, elle coûte cher. J'ai un point de plus, par contre, je sais pas combien, mais il y a plus un point, là. T'es sûr que t'as un point de plus? Ouais, je suis sûr. Il y avait un point. Ah non, ah oui! Putain, égalité, ça. Ah oui, mince, faut pas que je triche. Ah mince! Tout le monde s'en rend compte! Oh là là!
Non mais... Oh. J'aurais tellement aimé. Ah, il va le sécuriser, Lucas. Et oh, voilà. Et avec brio, oh, il le met. Il y a Pierre Guigui. Oh là là. Tu veux commencer ou je commence? C'est comme tu veux, je n'ai strictement rien à foutre. Rien à foutre, c'est presque insultant pour le live. Ah oui, pardon. Ah, Guillaume. 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 Tu dis juste mon prénom. Oh là là, ouais. Guillaume, il va être solide. Oh là 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 là. Si tu là le mettais là. Et bah il était dedans s'il le mettait. Exactement. Et bah tu m'as coupé l'herbe sur le pied. Il faut pas souffler quand on le met pas. 4-1 pour le moment. 4-1 comme les poètes. Dans la culotte. Non Guillaume, mental putain. Oh là 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 là, les 5. Allez, sécurise. Non mais Guillaume. C'est quoi ce mental là? C'est impossible! J'avais que un au premier truc! Très aigu, non? Ouais! Mais t'as vraiment fait ça? On est au sac subi! Mais non, mais Guillaume, mais c'était pas sérieux là! Il a fait comme ça à chaque fois, c'est horrible! Et là, putain, il est sécure, Pierre! Et l'autre qui sécurise! Oh, je suis dégoûté là! Quelle est la différence entre une doudoune et des fesses? Il y en a un qui est un habit qui tient chaud, et l'autre c'est une espèce de partie du corps humain d'où ça sort du caca. Il y a pas de jeu de mots? Non? Ah, d'accord, non, non. C'est vraiment parce que vous connaissez la différence quoi! Oh! Tout petit cri! Oh non! Il va doucement en plus. Oh, le couteau dans la plaie là, comme ça là. Comment? 4-3. Allez, s'il te plaît. Amène le mien aussi là. Je vais le sécuriser, je vais même pas la toucher. Là, c'est trop risqué. Oh, c'est dur. Il voulait pas me la mettre. S'il était plus proche. Je joue la stratégie. Parce que si je gagne contre Lucas, c'est pas mal pour moi. Oui. C'est logique hein. Lucas, c'est trop fort. Oh non, c'est pas trop fort. Bravo Lucas. C'est mes mouvements préférés ceux-là. Regarde Lucas. C'est mes mouvements préférés. Oh là 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 là. 9-5. Non! Attention, le mental. Oh, 9-9, il y a 2, il reste 2. Ah, faut que je le mette là. Bon, non, je pense pas. Il craque complètement. Jusqu'à la fin de ma vie, je dors plus. Plus ça. Fred vainqueur de la. Carrément du tout, je crois. Non, non, il reste Ben contre moi. Hein. Si tu bats Ben, peut-être qu'il y a un match, ouais. Oh, Ben, je t'en supplie. Oui, bien sûr, mais bien sûr, je le fais pour toi, mais. Parce que si je gagne, tu gagnes le camp de hall. Bien sûr, Fred. C'est pour Fredo, ça. T'es pour qui? En vrai, je peux pas choisir entre mon père et ma mère. Ça confirme bien qu'on est en couple. T'étais pas le grand-père, toi? Pierre, il doit gagner et avec un peu d'écart, si possible. Oh Ben, s'il te plaît. Pression là, voilà. Non, non, s'il te plaît, Ben, s'il te plaît. Oh, oh là là, ça s'en fout, pourquoi? Il est rentré si t'as bien. Calme, Pierre, calme. Ne t'énerve pas. Oh, ça y est, c'est mort là. Oh, mais là, le 10-2, là, il fait mal. Ben, s'il te plaît. Oh, je t'en supplie, Ben. Mais c'est pas grave. Oh là là. Oh, mais là, c'est pas possible. Non mais Ben, tu fais tout l'envers de ce que je t'ai dit. Je te fais le virement ce soir. Merci, merci. Oh non, mais c'est pas possible, c'est fini. Tu gagnes le cornhole là. Mais dur, tu m'en dis un truc. Fallait pas gagner sur moi, Fred, au premier tour. Oh, fallait pas gagner, mec. Donc c'est goal average entre Camille et Ben. Ah, quoique, avec la dernière là. Camille qui a le meilleur goal average. Je suis avant-dernière. Waouh, je pense manger des pâtes ce soir. Je vais me faire une petite sauce curry maison. Comment on fait une sauce curry? Avec de la crème de coco et du curry. Excusez-moi, je peux vous déranger, je vais donner le classement. Ah, ok, excuse-nous. Tu peux aussi rajouter du massalé. Classement du cornhole de ce soir. Ben, dernier. Mais premier dans notre cœur. Et ça changera jamais, ça va jamais. Camille avant-dernière. Je suis un peu ému. Guillaume 4ème. Lucas 3ème. Fred et moi, égalité en nombre de victoires. Mais goal average. Donc je l'emporte. Classement général. Camille dernière avec 5 points. Ben, 9 points avant-dernier. Égalité entre Guillaume et Lucas. Avec 16 points, moi je suis pas loin avec 18 points et Fred toujours premier avec 20 points. Fin de live, c'est la nuit. Merci à tous. Vive la nuit. C'est important de dormir car le soleil va se coucher et nous aussi. C'est que techniquement le soleil là est déjà couché. Et pas couché pour tout le monde car la terre est ronde donc certains ont le soleil qui se lève. On dirait c'est pas sorcier. Fin de 4ème épreuve, fin de live. Ciao. Bye boss. Salut.